Yo ho ho 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 yo ho ho. Nous sommes la Darox, je suis la Variel, et vous êtes en compagnie de Roxy et Fardal. Nous allons vous amuser, et pour votre information, nous vous souhaitons une merveilleuse et bonne après-midi. Yo ho ho ho, yo ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho. Yo ho ho, yo ho ho. Hello tout le monde, vous êtes bien sur la Darox en compagnie de Fardal pour la suite des épisodes sur Lego Star Wars, le réveil de la force. Alors dans l'épisode précédent, je vous avais laissé ici, on s'était fait capturer par les Stormtroopers et Kylo Ren qui font partie du premier ordre. Et un des Stormtroopers a décidé de nous libérer. En effet, je suis le prisonnier qui guide le Stormtrooper. Je trouve ça tellement pratique. Franchement. Essayez-moi de me buter, vous. Je parle du gars là-bas. On doit aller voir. Oh putain, c'est trop fort, on glisse. Oui. Je suis coincé. Hey, j'ai liquidé le gars qui nettoie. Oh, c'est trop fort, on glisse. Wouh. J'ai plus mon personnage, il est plus bougé. Il vient par là. C'est... Voilà. Oups, je t'appelle les Stormtroopers. C'est pas grave. Oui, bon, on va avancer. Pas où que je dois aller. Oh. J'ai peut-être essayé de baisser le son, la musique. Comment on fait pour baisser la musique? Bon, c'est pas baisser la musique, mais c'est baisser les effets. Mettre les effaces. Hein. Oui, je veux la musique. Continuez, ok. Voilà. Ouf. Moi je pète tout, je suis un fou. Comme se dire, je suis censé. Je ressemble à être un prisonnier. Prisonnier déglingue tout. Et les Stormtroopers qui m'est censé faire semblant de m'aider et. Enfin. M'aider et faire semblant de m'avoir capturé. Ils sont bas les couilles. Ça n'est pas très discret. Bon, je suis prisonnier. Je vais à la cafette. Non, tu vas en tôle. Non, je vais à la cafette. Ok. Bah, à la même occasion, je pète vos ordi. Hein. Simplement comme ça, vous savez plus communiquer. Et laisse-moi faire. Hein. Et allez. Ah, oh, ça vaut des points, c'est que là, 1 sur 4. Bon, allez, on pousse. Il m'aiderait pas le Stormtrooper, non, couillon. Attendez, je viens de voir qu'il y avait une piécette là-bas. Est-ce qu'il y a moyen d'y aller? On va voir. Ça
J'ai même pas sauté là ici au-dessus. Pourtant, je suis largement au-dessus de la barre. Ok. Peut-être par l'autre côté. Peut-être par l'autre côté. Peut-être par l'autre côté. Je suis pas sauté là-haut. Enfin. Ah oui, mais ça, je m'en suis rendu compte. Il y a deux barres, je les vois. Donne-moi un coup de main. Par où faut. Vas-y, pousse, Stormtrooper. Pousse. Hop. Pourquoi je peux pas le péter, ça, hein, j'allais dire. J'ai pété le but de bazar à côté, mais pas sûr. Ça se fout un peu de ma gueule. Putain, pourquoi j'ai pas sauté là-dessus quoi. Allez, allez, allez. Et j'ai couru de la chance. Toi, viens là. J'ai déglingué comme tes frères. Comme ton frère. 2 sur 4. Wouh. Je sais pas quoi tu sers, mais 2 sur 4. C'est déjà ça. Par où je dois aller? Dommage qu'on fait pas frapper en l'air. On devrait faire diversion pour rejoindre le chasseur TIE. Pas de problème, j'ai un plan. En effet. Il va d'abord falloir le recharger. Il faut prendre notre Google. Trouvons un moyen de traverser. Ces droïdes ne sont pas réputés pour leur performance sportive. Au fait, je me suis rendu compte que je disais de la merde, comme quoi les blacks se faisaient toujours martyriser. Enfin, que le... c'est encore un black qui se fait martyriser. Je disais de la merde parce que. Les Stormtroopers. Bon, ils sont bien en blanc, mais j'ai remarqué qu'ils étaient. Tous noirs en dessous, presque. Hey. Tout déglingué. Wouh! Un petit réveil matin. Hein. Non, mes pièces, elles vont disparaître. En quoi puis-je vous être utile, monsieur? Oh, c'est 3PO. Ah non, un R3PO. C'est pareil. Il lui ressemble, ce que bordel. Pourquoi c'est pas. Ici, c'est pas pété ça. Pourquoi ça brille alors si je sais pas le péter? Yeah. On fait tomber. Et je fais un double saut. Enfin un double saut fort, mais un double saut quand même. Est-ce que j'essaie de sauter? Bah il veut pas. On va pousser ça. Allez R3PO. Prendre R3PO. Je suis Gogol. Je suis tout rouge et je m'appelle R3PO. Est-ce que tu sers à quelque chose là-dessus? Oh, il s'est frappé. Boum, tiens, prends ça. Ça fait plus vrai comme ça. Ça fait plus vrai prisonnier. Recharger le speeder. Oh putain, je vais dire quoi? Putain, j'ai pas vu. Il me semble que c'était dans cet endroit-là, mais je suis pas sûr. Ce Stormtrooper veut que tu recharges ce speeder. Ben recharge le speeder. Voilà. Toutefois, il dit que l'unité de propulsion est défectueuse. La recharger pourrait donc avoir des conséquences imprévues. Peu. On doit être discret, il faut détruire un truc pour être discret, non? Enfin un truc à chaille quoi, un peu plus loin. Ça c'était peut-être pas si loin. C'est un peu la merde. Je pense. Ok, le mec, il sait casser ça. Arrêtez le prisonnier et le
ces menottes comme ça. Il n'a aucun respect, ce mec. Ne les laissez pas filer. Tous les chasseurs TIE sont cloués au sol. Il faut atteindre cette salle de contrôle pour libérer le chasseur TIE. Ok, moi je prends toutes les pièces possibles. On reprend tout, on prend tout, on prend tout. Oh putain, ma pièce. J'ai pas vu la pièce là-bas, faut que je la prenne. Bon allez. Il y en avait une autre là-bas. Est-ce qu'on sait y aller? Mais putain, mais comment on fait pour avoir cette putain de pièce alors? Putain, je suis pas débile, il y en avait une là quand même, je suis pas fou. Ça? C'est quoi? Une pièce. Alors. Allez, vas-y. Oh, il va tirer dedans, c'est trop cool. Le grappin n'a aucune prise sur laquelle s'accrocher. Tu crois qu'on pourrait ouvrir ce panneau là-haut? Quand même, hein, ce mec, il est plus fort que MacGyver, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas MacGyver, c'est quelqu'un qui, avec un bout de ficelle, un bout de corde et un bouton de manchette, hein, il essaie de faire une bombe. Mais MacGyver, il a besoin de matériel différent pour faire différentes choses. Genre les boutons de manchette, une ficelle et un fil de fer pour faire une bombe. Et il doit prendre, je sais pas moi, un canif, une barre de métal et je sais pas quoi d'autre pour faire autre chose. Et lui non. Utilise le même matos pour faire un grappin, un escalator laser et un réacteur, enfin une batterie à ascenseur. Ce mec, il est balèze avec le même matos, quoi. Et t'as pas un truc pour déglinguer les caisses à côté pour que j'aille prendre ma pièce rouge, non? Putain. Allez, vas-y. Oh. En lui tirant dans le corps, je le décapite. C'est tellement génial. Ouh. Tout juste. Il y a une brèche dans la salle de combat. Ah. Préparez-vous au combat. Arrêtez-les. Je dois libérer le chasseur, je n'ai pas le code d'accès. Ok, hop, le code d'accès. Rond. Alors. Triangle, triangle, carré, croix. Oh, trop fort. Je vais trouver un Stormtrooper. En fait, ils sont un peu cons, les Stormtroopers, à mettre le code E, en fait. C'est comme si je mettais un... Donc voilà... La réflexion stupide... Attends, il me faut un mot de passe pour... Un mot de charge, ça. Oh putain, les ennemis. Genre, il me faut un mot de passe pour, je sais pas moi, code de sécurité de ma baraque. Je m'appelle Fardansan. Ben, je mets Fardansan. C'est complètement débile. J'aurais pu mettre, je sais pas, la princesse Leila ou je sais pas quoi. Autre chose. Et en mots aussi, parce qu'en dessin. On va me dire, c'est pour, c'est un jeu 7 ans et plus, hein, mais bon. Pour les petits, mais faut arrêter de déconner aussi. Message Facebook, 1, 2, 3 carrés quoi. Il y a
Boum, j'ai eu les 4, je sais pas ce que ça m'a fait. Ouais, il est... pas mort. Mettez-vous à couvert là-bas. Alors j'ai compris que j'allais prendre ce bazar là, hein, mais d'abord j'ai éliminé les 5 ennemis, les 5 Stormtroopers qui sont là. Headshot. Au pire c'est Po qui meurt, pas moi, qui vise Po. Genre je peux l'avoir, il est derrière le bouclier et je peux l'avoir. Allez, 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 allez. Oh putain qui me tire dessus. Il me tire dessus. Meurs. Meurs. Non, j'ai juste envie de se bouclier. Je tire dessus. Sur lui là. Ah ouais d'accord, il a carrément explosé le mec. Aucun respect. Oh putain une tourelle. Boum. Quoi, t'es pas mort? Merci. Je devrais pouvoir la scanner de près. Un petit scanner après ça. Voilà, j'utilise toute ma charge. Voilà, hop, changement de personnage. Hop, un petit scan, bien mérité. Il y a quand même des ennemis derrière moi, hein, si vous avez pas remarqué. Il y a des ennemis derrière moi et ils savent pas me toucher, c'est des gogoles. Ok, un petit changement. Go, 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 go. Le bras, le bras. Ok. Alors je prends le noir parce que j'ai envie de jouer le noir. Hop. Voilà. Et maintenant on liquide cet enfoiré. Changement de perso car il est trois fois plus près. Tout à l'heure, comme j'avais dit, les Stormtroopers sont noirs. J'espère que t'assures comme pilote. Tu verras si on arrive à sortir de ce hangar. Et on voit que là il y a des ennemis, j'avais raison, là il y a des ennemis. Et ils sont pas fichus de venir me fighter contre moi. Moi je sors quand je veux d'abord. Je prends la thune. Oups, je me suis tué. C'est pas grave. Je me suis pas fait exprès. Bon, il a l'air que j'ai pu rien prendre d'autre. Hein. On y va. Allez, let's go. Des petites roulades pour aller un peu plus vite. Je suis pas sûr que ça va me faire aller plus vite, mais. Allez, ouais, 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 je suis là. Oh putain, ils ont une tourelle. Vas-y, rentre. Ce serait une bonne idée de riposter. Il faut détruire la salle de contrôle. Bah alors, je conduis. Non, je conduis pas. Boum, 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 boum. On déglingue tout ça. Dans ce cas, assurons-nous qu'il n'y ait plus aucun vaisseau à lancer. Pulvérise ces vaisseaux. Oh putain, l'explosion était proche là. J'ai plus rien vu pendant 5 secondes là. Oh putain. Ah non, c'est ça que je dois déglinguer. Tac, 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 tac. J'ai rien touché ces glands. On bouge, on bouge pas. Putain, mais faut savoir. On bouge. Ah voilà, il est mort. Et le deuxième, allez, on se barre, on se barre. Faut aller où, faut aller où? C'est bon, je suis parti. Et donc, je conduis plus parce que moi et la conduite,
Ça va quand on est dans les endroits serrés, hein, mais... Au pire, je touche les murs. Ah, il en a dans le ventre. Il faut dégommer ses canons, sinon on n'ira pas loin. Oh putain, c'est pas moi qui joue ça, putain. Oh bordel. Ah, c'est quoi cette... T'as vu ça? Gauche, droite. Ouais. Jamais eu. Putain, je sens que je vais vite crever sur cette phase. Finn, je t'appellerai Finn, d'accord? Tout simplement parce que j'arrive pas à manier le haut et le bas. Ah putain. Moi c'est Poe Dameron. Faut que j'aille en dessous. Enchanté, Finn. Et hop. Chasseur TIE. C'est bon, je les vois. Hop. Plus que 3, c'est ce truc là. Mais pourquoi ils me disent plus que 3? Je comprends pas. Plus que 3 et j'en ai une butée 8 sur 30. C'est quand même chelou leur bazar. Une butée 10. Oh putain, c'est quoi ce truc? Un canon. Ok. Un putain de canon. Je vais essayer de liquider les 30 pour voir ce que ça me fait. Et le canon lourd. Voilà, d'autres chasseurs à... Ah, monte. Wouah. Merde. Descends, descends, descends. Je vais descendre en bas. Pour liquider les trucs qui sont en bas. Il est où le vaisseau? Putain. Je fais tirer dessus par qui? C'est toi qui me tire dessus. Voilà, voilà. Je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Bon, on va monter. Je pense qu'il n'y en a plus en bas. C'est un peu galère pour conduire, comme je l'ai dit. Bah, il y en a encore. Il y en a encore un là. Dégomme ça. 17. Boum. Il est déjà déglingué, lui. Allez, allez. Qui sont où les autres? Hop, allez, je sais qu'il y en a raté un là-bas. Je pensais en avoir raté un là. Ah ouais, là. Là, il est là. 19, plus que 11. Yii. En fait, je sais pas du tout ce que je dois liquider, alors du coup... A mon avis, c'est des trucs là-bas. Ok, je suis mort. Ah, mais il y en a encore là. C'est pour ça que je les trouvais pas. Ils sont sur les côtés. 22. J'en ai eu 23, 24, 25, 26.
Hop, il en reste en bas. 27. Là. 28. Là, il en manque deux, ils sont où? Et je suis rentré dans la base? Ah non, je pensais. Oups. Attends, il y a moyen de passer là? Peut-être pas par là. Je sais qu'il y a moyen de passer là, ici. Des ennemis ici. Voilà. Merde. Il m'en manque deux, ça me saoule. Là. Plus qu'un. Faut regarder, il faut prendre de la hauteur. Regardez d'où on tire. Il est derrière, forcément. Là. 30. Ouh. T'avais raison au sujet des torpilles. Il y en a eu deux. Petite accélération, un demi-tour. Boum, j'ai tout eu. Ok, et maintenant. Sur Jakku ? Récupérer mon droïde avant le premier ordre. Quoi, un droïde ? Ah oui, juste, j'avais oublié BB-8. Orange et blanc. Exceptionnel. Peu importe sa couleur, ça compte pas un droïde. Celui-là, si. Ouais, lui, il compte. Oh putain, c'est trop génial. Wouhou ! Oh non, c'est pas possible. Accroche-toi, on a un missile à l'autre. Oh putain, c'est quoi le truc bleu ? Ah merde. Y'a un missile qui me suit. Oh, j'ai évité le missile, je pense, de justesse. Encore. Tac, 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 tac. Ouh. Oh, il se rapproche. Ça craint. J'arrive pas à le semer. Ah, putain. Je suis touché. Mais la violence de chez Stormtrooper. Déjà tantôt dans la cinématique d'avant, il y en a un qui s'est fait taper. Ah ici il y en a un qui se fait carrément tabasser quoi. Et là, même la violence des sièges. Putain, c'est des violents, moi je te le dis. Je comprends que le Black qui s'est barré va être martyrisé. Donc t'as sa veste. Au début j'ai cru que c'était son corps, mais en fait non, c'est sa veste. Bon, à mon avis il doit être mort s'il était dedans. Ouais, ouais, ouais. S'il était dedans, il est bien mort. Oh, ça fait mal. Alors. Hé, hey, ils ont BB-8. Alors. Cette vidéo va s'arrêter ici. Hein. On s'est évadé des storms. Du vaisseau des Stormtroopers, hein, donc voilà. Je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne après-midi et surtout bon amusement.